Thank you.
prosterne-toi à la croix. Ceux qui sont ici, là, qui est ici au Québec, à part la soeur José, qui d'autre? Malik. Oui, Malik. Donc, ce n'est pas un problème pour soi, mais c'est Amen. Voilà, Dieu, mais c'est juste, je voulais apporter quelque chose que vous ne savez pas. Chez nous, que ce soit en Haïti ou au Cameroun ou en Afrique, ah, peut-être le frère Daniel est né ici, tu vois? Oui, le frère Daniel est né ici. Amen. Amen. Il est très calme. Amen, amen. C'est bon. Nous, on a ce qu'on appelle les chefs du village, les notables. Et quand les notables arrivent, tout le monde se baisse. On respecte les notables. Mais il y a des gens, quand le notable arrive, surtout quand c'est la fête du village, qu'elle s'assoit sur son trône, ils se mettent à genoux. Qui a le chef du village dans sa famille? Surtout en, chez les Bamileke, il y a ça beaucoup. C'est très important. Et même, c'est le pouvoir du chef est tellement important que même si tu es en ville, le chef peut se fâcher en disant, viens ici là. Si tu viens, on va t'attraper. Et même le gouvernement, il y a des endroits où le gouvernement n'a pas la roue. Le frère en ce il sait, les chefs chez nous ont beaucoup de pouvoir. Mais eux, là, les chefs, là, sont des... J'avais remarqué des choses avec les chefs de village. Ils ont toujours beaucoup de femmes. Ils ont pris les impôts, les profiteurs. Ils sont toujours costauds parce qu'ils mangent bien. Vous voyez un peu. Dans le chef, il y avait des abus. Si tu étais la femme du chef, tu pouvais être une des femmes du chef. Tu pouvais être sa femme préférée, sa femme moins préférée. C'est pas juste. Pour ceux qui disent qu'il y a la polygamie dans l'église, un chrétien n'est pas polygame. Amen. Mais il y a une chose qui était là-bas. C'était le respect du chef. Mais le chef qu'on respectait, c'est un mondain. Le chef qu'on respectait, c'est un tricheur. Amen. Parce qu'il faisait souvent des deals que les gens n'aimaient pas parce qu'il avait des amis notables, il avait des gens pour protéger son pouvoir. Il y avait même le sorcier du chef. Je sais pourquoi. Parce que je suis arrivé au pays, souvent mon grand-père, mon feu grand-père m'a amené dans les cabanes. J'ai vu des crânes. Oh, merci Seigneur, m'auront protégé tous. Amen. Je ne crois plus en ces choses-là. Ça arrive parce que, waouh, c'est comme ça qu'ils faisaient pour être fort. C'est l'illusion optique. Moi, j'ai la vraie. Je connais le vrai chef. Donc maintenant, est-ce que tu peux te prosterner devant le vrai chef? Amen. Et vous allez voir, si on te dit maintenant, prosterne-toi ici devant Dieu. Il y a le direct. Comment je vais me prosterner? En fait, se prosterner, ça veut dire donner gloire à Dieu. Donner le contrôle à Dieu. C'est difficile. Parce qu'on veut toujours prendre le contrôle. Alors la Bible, la chanson nous dit, je sais que tu m'aimes, mais ça dit, à la croix, je me prosterne. Mais le problème, c'est que la croix est toujours là. Il est déjà mort pour nous. On ne va jamais l'oublier. Donc quand tu te rappelles de la croix, rappelle-toi que tu vas te prosterner devant l'Éternel. C'est là, c'est la source de la plupart de nos problèmes. Nous ne nous prosternons pas vraiment, vraiment comme il faut devant Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut battre les mains pour le Seigneur? Amen. Bienvenue à ce nouveau service de Hochelaga. Vous pouvez vous asseoir. Amen.